Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Laissez ma page en paix, s'il vous plaît. Bon, là, c'est pas vidéo politique. Hein. Bon, c'est vidéo politique. On aura plein de vidéos politiques. Mon réseau est improvisé. Je ne sais pas si vous me voyez. Mon réseau est bizarre. Mon compte est devenu bizarre. Il y a quelqu'un? Je vois rien même. Voilà. Ça commence à aller maintenant. Ouais, mon général. Bonsoir à tout le monde. Amiral Blendé. Tel pouet, homme d'État. Vous savez, quand le réseau n'est pas propre là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais depuis un moment, viens, ça part et puis ça part encore. Maintenant, la moyenne fait comment? Donc, j'ai vu le guignol là, monsieur Kaf, allocation familiale, qui a fait une vidéo qui est en train de dire que, ouais, que les Soroïs, ils parlent qu'ils ont tapé poteau hier, ils sont sortis. Et hier là, c'était pas le 15, hein? On était le 30. Voilà, donc la match du 15 là, et puis celle du hier là, c'est pas la même chose. Ça là, c'est des Soroïs même qui se sont associés entre eux là-bas. Un petit groupe pour dire ouais. Mais, et puis d'abord pour te dire que tu as menti, Assemblée nationale de République. Ouais, Michou, salut. Assemblée nationale de France là. Ce n'est pas la République. Dans ta vilaine vidéo là, à cause de la CAF là, moi j'ai 4 enfants en France ici. Si je connais combien on donne comme CAF à mes enfants, je ne connais pas. C'est ça, on dit un homme. Je n'étais pas. Mais quand toi tu vas, et puis, comédien, tu t'en chez les gens. Et puis tu es en train de parler. Il s'est dit, personne n'était. Tellement tu es menteur. Bah, ils savent que ce que tu es en train de dire, tu vas pas le faire. Tu mens. Il s'est dit, tu parles pour vous. Il n'a rien dit. Oh, qu'ils l'ont. Ils savent que tu es un menteur. Et puis encore, tu es dans le RHDP. Comment toi, tu es en train de parler de suicide? Ici, là, nos mamans, là, même si elles ne sont pas parties. Le mot suicide, là. Elles connaissent. Je vais me tuer là. Tu es en train de parler. Les gens sont en train de prier derrière toi là-bas. Ils sont en train de faire la prière. Et puis les mamans là ne te calculent même pas. C'est toi qui as venu t'asseoir encore. Fais vidéo. Dis aux gens que nous on était. Nous on allait faire marche à la République. Jamais de la vie. Il faut bien regarder la vidéo. Mais tu veux mentir, ça dit, non, RHDP, mais Dieu nous épargne de RHDP. Ça dit que si moi, je deviens menteur, quoi. Pareil pour vous, c'est ça. Une fois que tu es RHDP, fouillez où il y a l'effort. Tu pleures, je souffre.
Mais mon frère, il faut avoir honte. Moi là, j'ai quatre enfants. Mes soeurs, frères, je connais, bon, je sais même pas combien on donne à ma femme même. Je connais. C'est moi, je dois travailler pour les nourrir. Je dois mettre bien ma famille. Toi, qu'on a comme ça, tu vas t'arrêter chez les gens. Et puis même, tu es parti là-bas là. Ils ont fait un truc, je ne sais pas c'était quoi. Si ce sera bon, un sacrifice comme ça, tu t'en vas là-bas. Au lieu de manger tranquillement pour rentrer à la maison, il va dire nous, tu es du coup, tu as qui l'autre. Quand tu dis, j'en souffre, j'en souffre. Et puis non, on a qu'à faire quoi? Tu es en train de gâter le nom de la femme. Et toi là, je ne sais pas qui a pris son enfant et puis il t'a donné quoi. Il y a des trucs là, ça se règle en famille à la maison. Ça se règle même pas en famille. Mais toi et ta femme, vous réglez ça entre vous là-bas. Tu es venu te ridiculiser. Tu viens pleurer devant les gens. Non, je suis. Vous savez. Je suis un homme, je suis un gentleman. Gentleman pleurait. Ouais. Et puis c'est toi. Il n'est pas le jeu à la Saint-Ouattara. Donc lui aussi, il a le droit de parler de Guillaume Soro. Sinon, un gars comme ça là. Tu fuis ta responsabilité. C'est devant les gens, tu vas venir vendre. Même si ce n'est plus ta femme. Il faut avoir respect pour tes enfants. Il faut respecter tes enfants. Donc toi, tu es venu en France ici là-haut. C'est-à-dire, tu comptes sur, c'est-à-dire, tu vas faire enfant. Et puis, tu vas gagner combien dedans? Nous tous, on connaît, tu vas gagner combien dedans? Toi, tu es garçon comme ça là. Il est nul. Est-ce que toi, tu es un homme? Normalement, ça dit, après ta bêtise là, tu devrais arrêter de faire vidéo. Tu ne devrais même plus te faire voir même. Parce que tu es une honte pour ta communauté. Je ne sais pas si tu es quoi, tu es. Bon, je suis à 100%, toi tu n'es pas quoi. Voilà. Mais tu es une honte pour ta famille. Ça dit, c'est ça qu'on appelle malédiction. Vous nous traitez de maudits là. Mais c'est pour vous là qu'on appelle malédiction. Tu es, ça dit. Mais ton petit frère, est-ce que tu as pensé à ton petit frère au pays? Tes parents, pensé à ceux-là? Ils vont te regarder en train de pleurer à cause des femmes? C'est même pas à cause des femmes même. Bah, tu es en train de mentir sur elles. C'est même pas à cause d'elles. Ce que tu as dit là, au début de ta vidéo là, tu as remercié les gars du RHDP là. Tu dis, ouais, je suis dans le coma, même si je n'ai encore rien gagné. Même si je n'ai encore rien gagné dans le combat. Vous me soutenez, ça me fait plaisir. Salopard, chien de chasse. Il est calé, trou du cul. Il vient à moi, t'entretiens. Ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ni qui dame sera à quoi la tournée. Il faut laisser les autres là vont parler. Bah, toi-même là, tu es disqualifié. Bah, tu n'es pas un homme. On ne peut pas compter sur toi. En train de parler gros français, pourtant dans ta tête là, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Il est calé. Venu vendre, ça dit maman de tes enfants. Et puis tu dis dans ta vidéo, même si elle a encore. Hé, il t'en a mis un imbécile là. Quoi, ouais, même si tes enfants. Il dit nous, il y a eu toi au Boyanao. Toi, tes enfants là, tu n'as aucun respect pour eux. Et puis c'est sur nous, les soroïstes là, tu es arrivé. Tu vas venir, ça veut dire, avec tous tes trucs à la con là, c'est chez nous que tu es arrivé. Quoi, ouais, ils ont fait 8 personnes. Ah, si on a fait 8 personnes, Dieu merci. Parce que Draman là, lui, il est président de la République. Président, et puis son arrivée là, ça a été annoncé depuis des mois à Londres. Mais il y a eu 7 personnes. Nous, on a eu une personne de plus. Quoi pour nous là? Nous, on ne donne pas sardine. Ça veut dire, ils ne sont pas partis. En l'espoir de croiser Guillaume Soro là-bas. Non, mais quand on fait mourir trop, quoi. Il y a un mourir d'entretien. Tu vaux rien, mon frère. Tu es une honte. Hein. C'est pourquoi, quand j'ai regardé ta vidéo, au début, je n'avais pas compris. J'ai dit non, fais pas ça. Dieu n'aime pas ça. Sois fort, rentrez ici, sois d'ici. Mais après, j'ai dit, mais attends, bah. Lui, là, il prend les gens pour des cons ou quoi. Comment toi, tu veux te suicider et puis les gens sont en train de. Ah, bah, quel de nous, Loukouna. Allah, Wakibaru, les gens sont en train de prier. Pardon, débloque. Voilà, merci beaucoup. Autre nous a bloqué tout ni. C'est toi. Ouais. Dos Lambad.
Mais il faut voir un gars comme ça. Son allocation des enfants là, il s'est dit c'est combien. Et puis tu es en train de mentir. Voilà, tu fais la sécurité. Si ta femme a toi ici là, c'est moi pour toi, tu ne peux plus travailler. Et ta petite taille là. On dirait pain, on là. Tu as venu en bruit. Ce qui me fait mal même. Si tu veux plus enfant des gens là, à toi, il y a un entretien. Parce que ce que tu fais là, Dieu même là, tellement Dieu t'a laissé tomber, qu'il y a une dame, je ne sais pas elle est où, c'est elle qui défend ta femme. Et puis toi-même là, comme tu voulais vendre la fille, et il y a la dame, alhamdoulilah, Dieu a fait son palabre. Moi-même là, je prends son palabre là. Naroma, tu n'es même pas intelligent. Tengoro, avec voilà le mako, Tengoro. Même si c'est 800 euros. Mais mon frère, tu travailles, non? Et puis, quelle idée même? Venir parler de ta famille au dehors. Quelle idée? Tu gagnes quoi dedans? Mais tu te vends. Mais nous tous aujourd'hui là, on parlait de toi. Tu te vends. Ou bien tu pensais que ouais, en faisant ça, les... non, l'homme là, il est trop sentimental. Tu n'es pas sentimental. Il va à location, caf. Ils vont le quoi? Voici ma position. 15e étage. Je suis passé à l'acte. Un suicidé là. Il ne vient pas s'arrêter comme ça. Il va s'isoler quelque part. Et puis c'est pas. J'ai plus envie de vivre. Non! Et puis, hey, politique. Politique de. Politique! Hey, Guillaume Soro Yako. Voilà un truc comme ça qui vient parler aussi. Sa femme ou bien la mère de ses enfants, quelqu'un qui vend ça comme ça. Mais depuis toi tu es né là, réseaux sociaux là, est-ce que tu as déjà, et puis tu sais au RHDP là, vous êtes beaucoup jaloux, hypocrite, que ton problème de foyer, tu crois que hey, non, voilà, non. Mais moi, quand il y a le coup, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Parce que il y a un peu de temps. C'est pas que. Moi, je crois que. A qui a fait une minute, on est en feu gris. Temps. Mais si tu veux l'argent, si tu veux que le RHDP te donne ce temps-là, mais il faut demander en même temps. Vous, votre combat, et puis pour nous, là, c'est pas la même chose. Oh. Nous, nos combats, là, on fait le combat pour la Côte d'Ivoire. Moi, si je voulais avoir l'argent, et puis je vous dis quelque chose, hein. Au RHDP, là, si moi, je viens là-bas, parmi vous, là, il n'y a personne qui va me coiffer. Parmi vous, à me retenir. Parce que moi, là, moi, on me respecte. Je me fais respecter, et puis on me respecte. Et puis, si je suis premier tenier, là, j'avais fait. Ici là, tu as appelé, je sais pas, une dame là, pendant que le Tchakrouni a pris les 20 ans, toi, tu as fait vidéo pour réclamer ça. Mais mon frère, on ne mange pas dans tout. Nous là, t-shirt qu'on porte des bébés, toi là, ça fait 17 000 francs. Plus même 40 même, je peux avoir ça à la maison. Mais c'est des vrais t-shirts. Quand tu portes même là, quand quelqu'un n'aime pas ce rôle là, quand il voit la ouais, il veut porter aussi. À cause des t-shirts là, il fait. Mais quand Facebook, il est infondable là, Facebook. C'est quoi ça là même? Vous là, les t-shirts que vous portez, même tu portes pour faire. Il y a un truc d'Alassane là. Mais c'est comme si tu ne respectais pas Alassane Ouattara. Parmi vous les vidéomans là, il n'y a pas quelqu'un qui a enlevé son aïe comme ça, met un t-shirt. Il n'y en a pas à taille. Tous des escrocs. Alassane aujourd'hui est devenu, je ne sais pas, un truc pour vous où on doit manger dans Alassane. Moi, je n'ai pas aimé Alassane Ouattara pour qu'il me donne l'argent. Je l'ai aimé parce que, voilà, il y avait une chose. Non. De toute façon, il y a un bonnet. Je vais braquer. Il te place sur le cul là. Et puis, quand tu regardes, c'est les toucans là qui viennent.
On va placer nous. Donc n'oubliez pas le 6. Non, le 7. Après tu veux boire mettra. Tout le monde, tous les soroïs. Il y a là. Il a donné le numéro de l'OCNI Kibafori. Voilà, il a donné le numéro de l'OCNI Kibafori. Appelez pour tous ceux qui veulent partir là. Même si d'abord là, il faut venir moi m'aider payer. Pour vous. Ceux qui veulent partir là et puis ils n'ont pas de guerre là. Ils n'ont qu'à venir. Moi-même là, j'ai payé ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut passer? Oh. Ceux qui veulent partir là, même s'ils n'ont pas l'air là, ils n'ont qu'à venir. On va partir là. On part le 5. Et nous, on retourne le 6. Voilà. Il y a convoi, c'est pas pour avoir l'argent, on fait pas commerce. Voilà, on fait pas commerce. Venez, c'est pourquoi c'est 10 euros là. Allez, Namitra. Venons en pâtisse. Donc, mon frère, il faut. Quand on veut plus d'une femme là, faut pas te promener pour dire elle a fait ça là. Surtout, vous avez eu des enfants ensemble. Tu as venu t'asseoir. Et puis à qui même tu vas expliquer ça là? Et puis on va te respecter dedans. À qui tu vas expliquer ton problème là? Mensonger là? Et puis on va. Tu as raison. Mais tu te vends. Tu vois, moi je parle sur toi aujourd'hui. Moi je parle sur toi aujourd'hui. Pas être. C'est-à-dire, en français on dit trou du cul. Mais en tout là on dit bodinien. Bodinien, bailler les billets. Non! Tu es une honte quoi, Wallah Bilen. Mais si c'est ça là, si c'est le RIDP qui fait que tu es con, en tout cas, nous on ne veut pas de toi. Là, ils sont en train de crier ici là, j'ai même pas place même. Go. Voilà le go ici, le vrai go là. Si tu es plus d'elle là, avant qu'on t'a fait tout ni. Tu as venu mentir pour qu'on te donne l'argent. Ceux là, au thé la Wardima, tu vas te vendre cadeau. Ils vont pas te donner l'argent. Mais il y a quoi aujourd'hui même? Donc, 5 jours, on va aller. Moi-même là, j'ai fait mon discours. Je suis un nordiste. Moi là, la vieille vidéo là, Bago là, maintenant là, on a compris. C'est lui qui est venu là. Lui qui a empêché aujourd'hui de rentrer chez lui là. Il a fait mon discours propre. En tout là, il a dit aux gens, il a dit, hey, vous là, moi là, je suis. Non, je suis Koyara, je viens du Nord, je ne suis pas Djoula, on a qu'à se dire la vérité. En 2015 là, il a fait convoi, je suis venu ici. Homme là, c'est lui là, tuer les gens. Mais vous-même là, c'est pour être équitable que ouais, on envoie Gbagbo ici. Vous-même là, on ne vous a pas obligé. Vous avez dit il est acquitté. Il fait quoi ici? Libérez vieux là. Ça s'appelle réconciliation. Mais tant qu'on n'a pas ce monsieur là, hey, non, il dit, alors maintenant comment allons quoi? Hein? Il est baillé même. Vendredi comme ça, il n'y a pas place. Madame, tu vas où? Avant, là, quand il était chauffeur de Wara Wara. Ouais, mes amis. Ah, bon. En tout cas, ça va vous faire mal. Ça va vous mouiller. Parce que ce que Ouattara fait, il aime là. Nous, on ne va pas faire ça. C'est ici, ça. Il y avait passé là, allez.
C'est que lui, il aime là. Nous, on ne va pas faire ça parce que lui, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. J'ai vu Ahmed Bakayoko aujourd'hui à la mosquée. Il allait voir les imams. Il allait de paix. Il n'y a pas eu problème dans ça. Un état. Et maintenant, quand les catholiques ont demandé qu'ils vont faire une marche, vous, c'est bon. Non, c'est pas bon. Vraiment, Djamaou, on mettra ces pays-là, on les parle. Avec Gbagbo, là. Eh, à la tra, Nami Frayatre, non. Toi, tu es con dans le pays-là. Amérique, en Ambro, il est costaud, hein. Et Rane, le jour-là, là. Pour lui venir. Il y a un mabu condamné. Voilà, je vous donne le numéro encore. Appelez l'Oseni Kibafouri. Voilà, c'est lui qui s'occupe de la liste. Voilà, pour ceux qui vont partir là. Lui, pas où bien il... Je vais vous donner le numéro. Prenez le numéro et je donne le numéro et écrit en que les gens puissent lire. Attendez. 06 Agoda, 06 Agoda, 06 64 34 48 53. Je répète, 0 34 53. Voilà, pour ceux qui veulent aller à la venez, c'est dire. Voilà, donc voilà, ils sont en train de. Mettez les cœurs là, mettez beaucoup de cœurs. Parce que ceux-là, ils ne sont pas bien. Et ils sont là, ils sont en train de faire les sales boulots là. Pourtant, je suis cœur là. Cœur là n'a qu'à devenir beaucoup. Là, ils vont dire, ah, vous êtes. Vous avez pris le numéro? J'ai dit là, est-ce que. Waouh! Boni, c'est comment? Vous voyez, j'ai donné le numéro même là. Personne n'a appelé. Bon, je redonne. 06. 34. 40. 53. Qui c'est qui a fait publicité ici? Non, si c'est publicité. Mais les marabouts imbéciles, les féticheurs cons qui viennent mettre. Qu'on mette Judas ou bien quoi. Quand je vois ça là, j'ai. Sur ma page ici que tu as menti. Voilà. Donc, le 5, nous tous, on va se mettre ensemble et puis on va faire le vrai discours. Ces jours-là, les bêtés vont faire leur discours en bêtés. Les croyants vont faire leur discours. La nuit, on a un discours que les croyants attendent là. Placé tes bossa. Et puis, au Djeneka, c'est une fois, ils vont faire leur discours. Et là, bonsoir. Là, comme ça, voilà. Merci beaucoup, Ange Patrick. Et Allah. Depuis là, je suis arrêté. Donne le numéro là, il y a. Lui, imbécile comme ça, là, il voit, il s'est arrêté. Alors, putain.
Et puis il est content, un chien là. Signaler mon truc là. Mon direct là, ils sont en train de signaler. Bah, je vais vous laisser. En tout cas, monsieur qui fait vidéo pour mentir les gens là. Monsieur qui fait vidéo pour mentir sur enfant des gens là, il faut arrêter.